Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne informatique en pratique. Aujourd'hui, nous allons apprendre à désactiver ce watermark Windows sur un ordinateur que nous venons de faire l'installation nouvellement. Comment masquer ce watermark? Eh bien, c'est simple. Suivez ce tutoriel, vous allez pouvoir désactiver ce watermark en moins de 2 minutes. On commence par Windows, la touche Windows, et on tape CMD. CMD. Ouvrir la commande. Sur la commande, on ne clique pas directement là-dessus. On fait un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. On clique sur le oui. Voici la commande qui est ouverte. Nous allons taper une commande qui va nous permettre de désactiver ce watermark. Ok, suivez avec moi. On tape B, C, non, un petit caractère. B, C, D, E, D, I, T. Espace tiret de 6 S E T espace. Maintenant on active le grand caractère, ce qui vient ensuite est un grand caractère. On tape test S à la fin I G N I N G. Test S à la fin I G N I N G espace et off pour désactiver le watermark. Nous appuyons ensuite sur la touche entrée. L'opération a réussi. Je sais pas si vous voyez, l'opération a réussi. Mais le watermark ne s'est pas désactivé. Nous devons redémarrer l'appareil pour que le watermark disparaisse. Suivez avec moi en direct. La vidéo n'a pas été interrompue, tout a été filmé en direct. Voilà. Si vous avez bien suivi le tutoriel, vous pouvez désactiver vous-même le watermark qui s'affiche ici en bas à droite quand vous faites une nouvelle installation. Merci d'avoir suivi cette vidéo.